Jérôme et moi, c'est pour les deux quelque chose de nouveau. On teste, on se plante des fois, on trouve, on réfléchit à des systèmes qui marcheraient le mieux. Et du coup, on apprend aussi en faisant. Quand quelqu'un arrive dans ce lieu, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des choses qui l'interpellent. Et ces choses qui vont interpeller les gens vont permettre après de se poser des questions. Tiens, qui a fait ça? D'où viennent ces meubles? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment ça s'organise? Amarante est le nouveau restaurant du Jardin Botanique. Aujourd'hui, il a ouvert ses portes au public. C'est l'occasion de retrouver ses gérants, Jérôme et Aurélien, qui reviennent sur cette aventure humaine et gustative. Ça a vraiment été une collaboration, je dirais, avec beaucoup de personnes, des gens qu'on a découverts aussi pendant le projet, qui sont venus nous rejoindre. Et ça a été vraiment un travail assez collectif. Si je regarde en arrière, c'est très peu de mois qui se sont écoulés, même de semaines. C'est satisfaisant de voir le résultat aujourd'hui. Je suis très content. La cuisine qui va être servie, ça va être une cuisine qui va être, je pense, populaire. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses très originales, mais qui se rappellent quand même des choses que l'on connaît. Il y aura toute une partie où ce sera des plats qui changeront chaque semaine. Enfin, on aura une carte avec 3 ou 4 propositions qui parlent aux gens. Même qu'on a cette petite touche sur certaines choses où ben, on va peut-être ajouter une petite plante aromatique qu'on connaîtrait moins. Mais avant tout, on aimerait un truc plaisir. Donc on aura des gaufres, on aura notre petite version, disons, botanique du pâté vaudois. La cuisine d'Amarante place le végétal au cœur de l'assiette dans une variété gourmande, toujours de saison. Plus encore, les aliments sont choisis bio. La place du bio, elle est très importante pour nous. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre sélection. Lorsqu'on fait notre choix de fournisseur, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement importante. Quand je peux, je privilégie aussi beaucoup ce qui est agriculture paysanne. Et du coup, de fait, par nos petits producteurs, ben, il s'avère que souvent, c'est le cas qu'ils sont en bio. On remarque qu'on ne le met même pas beaucoup en avant, parce que pour nous, c'est une évidence en fait de travailler en bio. Amarante, ce sont plusieurs mois de réflexion, de construction, de dégustation. Une aventure humaine au service de celles et ceux qui aiment penser la cuisine autrement. Plus qu'un restaurant, c'est un idéal auquel Jérôme et Aurélien veulent tendre au cœur du jardin botanique. Celui de participer à transformer notre façon d'aimer manger de la terre à l'assiette.